Et pour incarner un couple qui s'aime d'un amour fort romantique, sincère, on va dire un peu énergique dans le film, Monsieur Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir, bienvenue au pâté Beaugrenelle, merci d'être parmi nous. Mais merci à vous, merci de me recevoir. Le pâté Beaugrenelle. Vous allez bien? Oui. Ça a l'air, oui. Donc comment vous êtes retrouvé dans l'aventure de ce film avec Dominique Farrugia? Eh bien, on nous a envoyé un scénario qu'on a lu. Et à partir du moment où on l'a lu, on l'a aimé, on l'a apprécié et on l'a accepté, voilà, ni plus ni moins. Moi, Dominique, c'est un réalisateur que je connais depuis très longtemps. C'est même la première personne que j'ai rencontrée dans ce métier, à l'époque où je faisais encore des courts-métrages. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui, pour les nuls, évidemment. Et quand il nous a proposé ce scénario, à Louise, à Julien, à moi, à Colia, on était très très heureux. Et nous voici ici, voilà. Moi, j'avais pas beaucoup de travail à l'époque. Et donc, il m'a dit je vais te filer quelques jours de tournage sur mon film. Ça va te sortir un peu de la galère. Et donc, j'ai accepté direct avant de lire parce que j'avais besoin de bosser. Et c'est un peu vrai. Mais voilà, et Dominique, je le connais. je le connais depuis un petit moment. On avait travaillé ensemble sur BIS. Et j'aime beaucoup ce monsieur. Voilà, donc. J'y suis allé les yeux fermés. Avec vous aussi, il y a d'autres questions. Allez-y, parlez du film. J'ai essayé de faire court. Non, j'ai beaucoup aimé le projet. Je n'avais pas joué dans une comédie depuis 5 ans. Donc c'était très appréciable de retrouver cette légèreté et l'humour de Dominique et de Gilles, qui improvisent beaucoup dans le film. Comment c'est de jouer justement avec Gilles? Quel partenaire il est? Il est génial parce qu'il respecte... Mais la monteuse est dans la salle, Marilyn, tu ne me contrediras pas. Il respecte le timing des phrases écrites, mais après deux ou trois prises, une fois qu'il a fait le job, il improvise quelque chose de différent, mais dans le même timing. Il ne part pas dans une logorée immontable. Et donc à chaque fois, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Et c'était très dur pour moi d'avoir l'air saoulé, puisqu'on est censé être ensemble depuis 15 ans. S'être rencontré à quoi, 20 ans pour moi, 45 ans pour Gilles, en tout cas. Saloperie. Et j'étais censée être, enfin voilà, vous verrez le film, mais je suis censée être très fatiguée par lui. Et en fait, et au contraire, il était drôle et adorable, donc c'était difficile de rester dans mon personnage. Je te remercie. C'était vraiment un grand bonheur de tourner tous ensemble. Ça faisait longtemps que moi je désirais tourner avec Louise, dont j'admire les choix, l'intégrité et le goût, parce qu'elle fait toujours d'excellents films, avec beaucoup de courage. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et Julien, je le connais depuis très très longtemps. C'était génial de se retrouver, de jouer ensemble. On s'est bien amusé. On avait fait un film dont on ne parlera pas. Voilà. Mais surtout, on a pris beaucoup de plaisir à tourner avec Colia. Donc c'était le premier film. Ouais, bravo Colia. Alors en fait, c'était le deuxième film. En fait, je me rappelle plus de la question. Alors parle-nous de toi, Colia. C'est ton deuxième film? Ouais. Et comment tu t'es retrouvé acteur? T'as quel âge? J'ai 12 ans. Et je me suis retrouvée acteur parce que mes parents ils sont acteurs et ils sont dans une agence. Enfin, mon père. Moi, il est honnête. Qui est là? Il est là. On a l'impression que c'est l'école des femmes. Ouais. Et bon film. Et c'était comment tourner avec Gilles et Louise? C'était super parce que les deux ils nous donnaient des conseils. Et. J'aimerais avoir un papa et une maman comme Gilles Lellouche et Louise Bourgoin.
Attention, les vrais sont dans la salle. Donc. Non, c'était super fou. C'est une drôle de question. Les parents sont là, vous êtes là. Moi, j'aurais adoré vous avoir comme parents. Ouais, c'est ça, je vais vous parler pour vous, en fait. Vous êtes sûr, vous voulez m'appeler maman? Faut bien que vous m'adoptiez, hein. Mais faut se calmer, En tout cas, tout honneur. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu... Il y a un truc qui est un petit peu étrange, c'est de présenter le film sans Dominique. Ouais. Évidemment, et... on va pas il sera non plus, là après. Mais il viendra vous voir après, donc vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez. On va peut-être pas parler non plus encore une heure et quart. L'idée, c'est que vous voyez le film et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir le film que nous avons eu à le faire. C'est une tag et une tag sur cette phrase, normalement. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux et passez une excellente soirée. Merci. Merci à vous.